Salut tout le monde, c'est Jean-Bloc et nous voici pour l'épisode numéro 13 de l'aventure suivie sur Minecraft qui s'appelle Le Survivant de Minecraft. Je vérifie si le son est enregistré. Petit. On avait fait un petit duel face à un Enderman. Est-ce qu'on devra le faire encore? Oui. Mais pourquoi il se sauve à chaque fois? Viens là! Mais viens là! Il me surprend. J'aime bien, c'est qui? Il s'énerve. Eh, viens! J'ai pas peur. C'est ça que j'adore avec les Enderman. C'est que genre... Quand il s'énerve... Qu'on les regarde. Ils nous attaquent. Mais... Soit c'est... Soit c'est une fillette que avec qui j'ai voulu combattre. Soit c'est... C'est un mythe. Ça doit être ça, ça doit être un mythe. Donc, alors, dans cet épisode-là, est-ce qu'on va continuer le... Le truc ou voir le cochon tourner en rond? Vas-y. It's been right running, running right now. Enfin, je sais, je sens super bien. Mais bon, c'est pas ça. Est-ce qu'on va continuer notre... comment dire... Notre chemin de fer. Sachant que je n'ai plus de rails. Donc la réponse est... Non. Je peux pas le continuer tant que j'ai pas de fer. Et vu que je n'ai pas de fer, que va-t-on faire? Sans jeu de mots. Eh ben, on va en chercher. Et où c'est qu'on va en chercher? Dans la grotte. Bon, juste avant. Je fous tout ce qui est inutile. Ici. D'accord, ça correspond à rien. Je vais garder ça là, ça là, ça on le garde, ça on fout là-bas, j'aurais pu faire un arc, mais j'ai tout foutu de l'autre côté. Je vais refaire deux choses, c'est-à-dire je vais refaire des armes. Alors, je vais garder le morceau de fer ici. Voilà. Je vais faire deux choses. Bon, pas grave. Toi, tu restes là. Alors, on va faire deux choses. Bon, de la pioche, déjà. Tac, tac. Oui, tac, tac. Une pioche supplémentaire, ça peut toujours servir. Une épée. Parce qu'une épée dans ce monde, dans cette grotte hostile, c'est très vital là. C'est là que je vois même pas pourquoi je l'ai gardé. Donc, et puis ça sera tout. On va foutre la terre là, on va mettre la hache là, même si ça sert à rien. On va faire quand même une pelle de secours, au cas où. Hop, voilà. On va prendre deux bâtons. Voilà. Et on va faire... Non. Voilà. Et j'avais dit deux bâtons. On va prendre deux. Et on va prendre tout ça pour là. Voilà. Comme ça, une trentaine de torches, ça devrait faire l'affaire. Pour aller dans la grotte, on va mettre ce silex que j'en ai rien à secouer.
On va mettre du charbon là, on va en prendre 10, voilà. 10, ce sera judicieux. Donc, on va aller dans la grotte. Sachant que je ne sais pas du tout combien de temps ça fait, donc je vais m'aider du recorder. Donc, 2 secondes, je vais regarder le recorder. Voilà, normalement, il n'y a pas dû avoir de coupure du tout. Mais bon, s'il y a une petite coupure, ce sera rattrapé. Il n'y a que Battlefield 3 que j'ai eu de la difficulté la dernière fois. Donc, vous en souvenez de cette grotte? On avait un peu trouvé du minerai de fer, tout ça. Je crois que je l'ai revisité dans l'épisode... je sais plus lequel. Ah, il y a tellement longtemps pour moi. Pour vous, il y a 12 jours qui est passé entre l'épisode 12 et l'épisode 13. Moi, ça dépend des fois. Il y a des moments où il y a passé beaucoup plus longtemps. Toi, je te vois. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'arc. J'aurais un arc, ce serait bon. Et le truc, c'est, il faut que je descende. Je vais peut-être utiliser le mode ascenseur. Alors, en espérant pas me perdre, sachant que j'ai 20 minutes. Oh bah. C'est encore mieux que l'ascenseur. Votre toit à la gueule, c'est 100 fois mieux. Donc lui. Connard. Ah. Ça fait mal, hein, comment c'est une... Crève. Alors, lumière, voilà. Le truc, c'est que regardez, là, par contre, c'est de l'or. Le problème, c'est que voilà, j'ai pas la bonne pioche. Oh, Mr. Creeper. Mr. Creeper. Eh, il est mignon, hein, vous voyez. Alors, on va mettre un truc là, comme ça, je peux remonter facilement. Ouf. Toujours éviter de faire ça. Je vous le conseille, hein, pour ceux qui débutent sur Minecraft, toujours éviter de tomber comme ça. Je dirais, j'ai pas voulu tomber, hein, mais bon. Alors, vous voyez, là, c'est une grotte naturelle, donc on trouve de la lave et tout ça. Et le problème, c'est que, à l'heure actuelle, je ne trouve pas dont ce que j'ai besoin, c'est-à-dire du minerai de fer. Et le problème, c'est que il y a deux passages. Vous voyez? Regardez, il y a du monde ici. J'ai cru entendre des bruits de pas. Avec la petite musique d'ambiance. Là, j'ai du minerai de fer. Mais il n'y a pas que du minerai de fer. C'est ça le problème. Voyez, on dirait qu'il y a... Regardez, les chauves-souris, c'est les seuls qui n'ont pas un skin plutôt cubique. Donc vous voyez, il n'y a pas que du minerai de fer, je sais pas ce que c'est. Le problème, c'est que... Il faudrait que je fasse une pioche en fer. Et le problème, c'est que je n'ai pas assez de minerai de fer pour en faire. Oui, encore de la rime.
Donc, je vais essayer de récupérer le maximum de minerai de fer sans trop m'éloigner de là-haut. Parce que je voudrais pas refaire un... Surtout que je peux pas. Lui, il va me tomber sur la gueule à un moment donné. Ah, d'accord. Vous voyez? Il y a beaucoup de lave ici. Ça, normalement, je le pète. Vous voyez? Je peux pas le récupérer. Faut la pioche en fer, mais bon. Je vais pas répéter la même blague, hein. Faut juste que je trouve ce putain de minerai de fer. J'en ai trouvé deux là. Ce qui cuit m'en ferait trois pour faire une pioche, mais bon. De toute façon, tout ce qui est or et tout ça, redstone, je vais en avoir besoin si je veux faire un truc à peu près automatisé. Donc, regardez, ouais. C'est que là, aux alentours, à part du charbon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, on va aller... Ah, j'ai rien dit. Autant pour moi. L'évidence est souvent devant vous. Mais heureusement qu'on peut récupérer le minerai de fer avec ce genre de pioche. Parce que sinon, comment on pourrait... j'en ai... non, ça c'est la touche tab. Rien à voir. Alors j'en ai actuellement 5, ce qui me fait faire 5 lingots, sachant que j'ai 6 lingots. Est-ce qu'il serait judicieux pour moi d'aller faire... Voilà, je vais aller un peu plus profond là-dessus. Parce que vous avez vu, j'en avais trouvé qu'un là-haut. Et après, il n'y avait plus. Donc j'ai creusé un peu plus et j'en ai trouvé un autre. Sachant qu'on est encore dans les temps. Je suis en train de vérifier en même temps si mon micro n'a pas un problème. Vous savez, le petit problème qui me gênait, qui m'a empêché d'utiliser ce micro pendant une belle lurette pour se rendre compte que le micro il marche. J'ai peut-être trouvé le problème en même temps. Ça va me permettre aussi, cet épisode, de vous parler peut-être... peut-être des changements par rapport à cette aventure suivie. Le truc c'est que à l'heure actuelle je l'ai un peu sur un site qui s'appelle playthrough.fr qui permet par exemple pour vous de classer vos séries et vos vidéos et les proposer à d'autres personnes. Je l'ai classé de telle sorte marqué saison 1. À l'heure actuelle, on est en saison 1. Et je pense faire une saison 2, un truc comme ça. Bon, pour la continuité. Et là, je me retrouve là où il faut pas. Voilà. Voilà. Je vais me faire une pioche en fer. Ça va être plus judicieux. Bah, elle est là-bas, l'entrée. Quoi? Qu'entends-je? Il est où? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? De toute façon, il y a un truc, va falloir que je fasse un arc. Donc, ça va être dans l'épisode suivant que je vais faire cet arc. Parce que je vais avoir besoin de matières qui sont dans ma maison, que je les ai foutues dans la maison. Donc on va faire cuire ce magnifique lingot. Ce magnifique minerai de fer pour en faire des lingots. Et en attendant, on va scruter les horizons. Parce que j'entends du bruit, mais je ne vois personne. Donc oui, parce que j'ai besoin de ce minerai de fer pour faire
une pioche en fer pour récupérer tout ce qui est redstone, tout ce qui est comment, tout ce qui est argent, diamant, tout ça. Non, pas argent, or, diamant, voilà. C'est plus logique. Hein. Bon, ça va, à l'heure actuelle, on est quand même à 15 minutes de vidéo. Sachant que chaque épisode a une vingtaine de minutes. Bon, je reviens à ma petite histoire de saison et tout ça. Oui, alors, à l'heure actuelle, on est dans la saison 1 du Survivor de Minecraft. Il y aura une saison 2 et tout ça. Mais je pense clôture cette saison 1 assez rapidement. Vous me direz pourquoi, parce que tout simplement, j'ai peur d'être rébarbatif, de tourner en rond, ce qui serait chiant quand même pour moi de tourner en rond pour ce truc. Donc voilà, le truc c'est qu'il va me manquer des... Je crois que c'est un lingot, bon, je m'en rappelle plus. De toute façon, j'ai pas assez de matière pour faire. Je récupérerai du bois dans la maison au prochain épisode. Ou je pourrais y aller tout de suite. On va manger un peu, même si là que c'est pas conseillé. Donc, j'ai ma pioche en fer. Qui va m'être très utile. Mais le problème là, c'est que je voudrais sortir, mais je ne peux pas sortir. Parce que vous voyez, là, il y a lui. Et lui, il va être là deux jours aussi, donc je vois pas ce que ça va changer. Enfin bref, là, à l'heure actuelle, je suis coincé. Donc oui, j'essaie de revenir un peu à ce que je disais. Donc oui, je voudrais la mettre en suspens. Peut-être à l'épisode suivant, peut-être peut-être au 16e épisode, un truc comme ça. Pour peut-être tomber pour faire une rentrée avec le survivant de Minecraft, tout simplement, pour voir ces épisodes au lieu d'en avoir 14, ce serait déjà pas mal, pour aussi me ressourcer, pour avoir plus d'idées, pour avoir plus de challenge et tout ça. Après la saison 2, je sais pas si sera sur une nouvelle map, ce qui serait plus sympa. Ou tout simplement continuer sur cette map. Vous me direz dans les commentaires, vous savez que c'est toujours très important que vous commentiez et donnez votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Parce que tout simplement, c'est ce qui permet de faire avancer le schmilblick. Ou plutôt faire avancer les chaînes YouTube en général. Il est toujours là-bas, le petit enfoiré. Non. C'est là qu'il arrive. Il fait coucou. Je me demande si... Ah là 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 là. J'aime le bruit qu'il fait, le truc. C'est pas pour vous faire flipper du tout. Alors, toi tu viens... Comme ça... Je sais, je vais là où il faut pas. Tu vois, là où il faut pas. Eh, il y a un petit passe. C'est moi, il y a un petit trou là-bas. On verra ça un peu plus tard. Bon, sachant que l'épisode 14, pour votre information, en plus, c'est que je vais le tourner dans la foulée de celui-là, c'est-à-dire donc pour les améliorations et tout ça et les petites idées que vous allez donner dans les commentaires ou par rapport à la continuité de la série, ce sera pas pour tout de suite. Alors là, je suis un peu coincé.
Ah ben là, au moins c'est efficace. Enfin bref, donc vu qu'il pleut et que je suis en train de me faire attaquer par un creeper. Oui, vas-y, agrandis encore plus ce trou. Je dirais rien. Enfin bref, donc on va se quitter sur ce joli, sur cette jolie explosion. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Oui, c'est ça, un petit pouce vert. N'hésitez pas à commenter, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est très important. Et on va essayer de se diriger à la maison avant la fin de la vidéo. Vous voyez là, on a encore les mobs qui sont encore en vie. Du moins les mobs, les zombies, tout ça. Du fait est que comment dire, il pleut. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter. Si vous découvrez la série, n'hésitez pas à regarder les précédents épisodes et à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste de mes aventures, que ce soit sur Minecraft ou pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.